Alléluia. Nous sommes debout, nous voulons recevoir le message et le messager. Ce soir, Dieu nous a envoyé son serviteur, il a oint pour nous. À l'intérieur, à l'extérieur, l'opori à Sosa. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Louis Antounassi, pendant qu'il nous remplace ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus, tu es élevé au-dessus de tous. Que tes yeux soient sur Jésus maintenant. Oh Jésus, oh. Take over. Oh yes. Sans le micro, Dieu veut entendre l'église en train de l'élever. Prends le temps.
Jésus pour toi. Ce sera une prière, pas un chant. Jésus, oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi et que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ce soir prend ta place. Jésus prend ta place. Nous t'habitons, prend ta place. Jésus prend ta place. Nous t'habitons, prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Seigneur, prend ta place. Viens t'installer dans nos cœurs, prend ta place. C'est notre prière ce soir. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul Jésus soit élevé en ces lieux. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Ah, seul le trône de Jésus est en ces lieux. Tout genou fléchit devant lui. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ah, il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Seigneur, atteins tes buts. Qu'à la fin de ce service, que toi-même tu puisses dire que c'était bon. Que j'ai dit et j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Merci pour ton règne en ces lieux, Père. Et merci pour la mouvance de l'Esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué de prier? Qui a soif? Je veux nous donner des orientations. Et puis nous allons prier. Le message va orienter notre soif. Afin que lorsque nous commençons à prier, qu'il y ait des résultats. Alléluia. Donc chaque chose que je serai en train de dire, je suis en train de bâtir quelque chose. Et puis à un moment, nous allons commencer à prier. Merci encore au pasteur Dédé Landou pour l'invitation. Merci pour la confiance. Souffle, cher Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un thème, c'est une prière. Souffle, Saint-Esprit. Quand chacun d'entre nous dit souffle, Saint-Esprit, il y a une idée de ce qu'il veut voir le Saint-Esprit faire dans sa vie. Il y a une Marie en ces lieux qui dit souffle, Saint-Esprit, afin que je sois couvert de l'ombre du Tout-Puissant et que je puisse enfanter. Il y a quelqu'un qui a des ossements desséchés dans sa vie. Quand il dit souffle, Saint-Esprit, il est en train de réclamer une restauration. Je ne sais pas ce que cette prière exprime chez toi. Mais j'aimerais te donner quelques pistes pour voir les résultats ce soir. Pas demain, ce soir. Luc 11, j'aime bien prier avec les Écritures, c'est plus facile. À partir de 1. Chacun va lire dans sa Bible, donc tu ne traduis pas quand je lis la Bible. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. »
Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Jean 7, 37. Johann Osambo. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il y a 2 choses que j'aimerais indiquer. Lorsque tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu, le Seigneur te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Aujourd'hui, ce soir, je te demande, Dieu te demande qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu as besoin d'avoir une soif précise pour voir un exaucement précis. Si ta soif est générale, tu ne sauras pas si Dieu t'a vraiment exaucé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Si tu as soif, tu vas boire. Quand tu n'as pas soif, même si on te donne de l'eau, tu ne pourras pas boire. L'homme de Dieu peut être en cellule et dire, reçois les dons spirituels. Ça, tu dis à Dieu, je ne suis pas venu pour les dons, je suis venu pour l'argent. Le don va passer. Reçois ta délivrance. Moi, je ne suis pas venu recevoir ma délivrance. Je suis venu chercher une sœur à l'église. Est-ce que tu as une soif? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La Bible donne l'exemple de la femme à la perte de sang qui alors qu'il venait vers Jésus, beaucoup de gens touchaient Jésus. Malgré la puissance de Jésus, rien ne se passait parce qu'il touchait Jésus sans soif, sans but. Jésus peut être en ces lieux, mais ta vie reste la même. Il est possible de rencontrer Jésus et d'avoir une vie qui n'est pas transformée. Parce qu'on l'a rencontré sans soif. Mais cette femme à la paire de sang, quand elle vient, elle ne parle pas à Jésus, mais elle le touche seulement avec une soif. Jésus s'arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. Mais Jésus, il y a beaucoup de gens qui ont touché. Il dit, non. Les autres me touchent sans soif. Quelqu'un a fait appel à mon pouvoir. Elle a touché Jésus. Et Jésus a senti. Depuis que tu as commencé à venir à la prière, est-ce que Jésus sent que tu le touches? Tu donnes des offrandes. Tu t'affrappes les mains. Nous voyons. Nous sommes touchés. Mais est-ce que Jésus est touché? Non seulement il avait soif,
Mais il avait aussi la foi. La soif présente ton besoin à Dieu. Mais ta foi prend la solution de Dieu et l'emmène dans ta vie. Ta foi crée la connexion entre Dieu et ton besoin. La dimension de ta foi doit s'exprimer. C'est comme une connexion à Dieu. La foi de cette femme, ce n'était pas que Jésus puisse lui parler. Elle dit: Jésus, je n'ai même pas besoin que tu me parles. Moi, je te touche seulement. Et ça va aller. C'était une conversation entre elle et elle-même. Elle n'a même pas parlé à Dieu. Mais elle a juste touché avec la soif et la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. La Bible parle de la femme syrophénicienne. Elle vient vers Jésus avec un enfant possédé à la maison. Elle n'amène pas son enfant devant Jésus. Elle avait une soif, un besoin, mais sa révélation de Jésus était telle que Jésus n'a pas besoin de se déplacer. Jésus n'a pas besoin de voir mon enfant. Sa parole est capable de chercher mon enfant et de le toucher. Je peux être en ces lieux. Jésus libère une parole. Mon enfant qui est en bandaka est touché. Tu as besoin de la soif et de la foi. À l'église, les gens n'ont plus foi en Dieu. Nous sommes nombreux en train de se frotter à Jésus, mais la puissance n'est pas dégagée. Parce qu'il n'y a pas de foi. C'est comme l'homme centenier. Sa servante est malade. Jésus veut venir. Elle dit: je n'ai pas besoin de ta présence dans ma maison. Jésus, arrête-toi là. Parle. Parce que celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit Dieu lui-même. Il y a autant de puissance dans la parole de Dieu que dans la présence de Dieu lui-même. Alors que je suis en train de parler, c'est Dieu lui-même qui est en train de se manifester dans ta vie. Alléluia. Quelle est ta foi? Bartimée, quand il avait des problèmes, il a crié à Jésus. Mais quand il arrive vers Jésus, il exprime son besoin, mais il ne précise pas comment il veut être touché. Il dit: Jésus, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Tape-moi dessus si tu veux, gifle-moi si tu veux. Mais je sais que quel que soit ce que tu fais, j'aurai un résultat. Est-ce que tu as soif? Tu dis: Saint-Esprit souffle. Comment il va souffler? Quelqu'un dit: quand l'homme de Dieu va me toucher, quelque chose va se passer. Mais un autre dit: je n'ai même pas besoin qu'il me touche, qu'il me regarde seulement, c'est suffisant. D'autres: je n'ai même pas besoin qu'il me regarde, que je sois seulement dans l'environnement. Je n'ai même pas besoin d'attendre la fin. Même pendant la parole, il peut souffler. Le tout à coup n'attend pas la fin de la réunion. Quand il y a un cœur disposé, quelque chose se passe. Alors que Paul était en train de prêcher un jour, il s'est arrêté parce qu'il a vu que quelqu'un avait la foi pour être guéri. En écoutant la parole, elle crée la foi en toi. Tu peux ne pas attendre que l'homme de Dieu déclare. Tu te lèves déjà de ton fauteuil roulant parce que tu as la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Quelle est ta soif? Souffle, Saint-Esprit. Souffle dans mon foyer. Souffle dans mon foyer. Redonne la vie à ce qui est détruit. Souffle dans mon travail. Restaure mon travail. Souffle dans mon business. Que la vie de résurrection touche mon business. Souffle dans mon ministère. Que la sécheresse disparaisse. Souffle dans mon bas-ventre. Que je porte des enfants. Crée l'atmosphère de la création. Je veux que tu puisses te mouvoir
mouvoir sur moi. Je veux que tu puisses te mouvoir sur ma famille. Parce que ta présence est l'environnement fertile pour la parole de Dieu. Je veux que tu puisses te mouvoir dans mon ministère. Afin que toutes les promesses de Dieu deviennent réelles dans ma vie. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Souffle. Dans Actes 1:8. Jésus, avant de monter au ciel, il dit aux disciples, comme il se trouvait avec eux, verset 4, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et aux extrémités de la terre. Un jour, je parlais avec un aîné dans la foi. Il me dit, Jésus a donné une vision mondiale aux disciples. C'est comme si on te demande de créer une entreprise qui sera dans le monde entier. Une vision mondiale demande des milliards, n'est-ce pas? Mais Jésus ne laisse pas l'argent aux disciples. Il ne leur laisse pas l'argent. Il dit, j'ai quelque chose de plus précieux que l'argent. Quand tu le reçois, ça produira l'argent pour la vision. Ah, je veux que quelqu'un puisse appeler le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont yo. Tu es précieux plus que l'argent. La vision était mondiale. Mais il n'aura pas dit prier, jeûner pour l'argent. Il dit demandez une seule chose. Demandez une seule chose. Une seule chose. Ils attendaient une chose, mais ils ont reçu une personne. Ah, le Saint-Esprit, c'est un don précieux de Dieu. Quand tu le reçois, Dieu lui-même fait son habitation dans ta vie. Tu deviens le tabernacle ambulant de Dieu. Partout où tu vas, tu emmènes la présence de Dieu. Quand les gens cherchent Dieu, tu leur dis, je connais l'adresse de Dieu. Arrêtez de regarder au ciel. Parce qu'il est descendu en moi. Quand tu arrives à un endroit, tu dis aux gens, Dieu est venu vous visiter. Comment? Il vit en moi. Je porte Dieu en moi. Église de Dieu. Par moment, nous cherchons dehors ce que nous avons dedans. Par moment, nous cherchons dehors ce que nous avons dedans. Tu as la capacité de créer parce que l'environnement de la création est en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi. Ils sont restés à un endroit pendant 10 jours. Ils ne priaient pas pour beaucoup de choses. Par moments, nous gaspillons notre temps en priant pour beaucoup de choses. Naïbs, ceux qui m'ont annoncé à Bunga, où est la prière? On doit savoir ensemble, mais moi, en Azonga. Moi, en Azonga. Maman, on va répéter pendant 10 heures. Moi, en Angaï. Mais Yosan, la prière est belle, est belle, est belle, est belle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, lorsque Dieu est venu devant Salomon, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a fait la prière dans laquelle il y a les autres. Il demande la sagesse, mais dans la sagesse, il y avait la richesse. Il demande la sagesse, mais dans la sagesse, il y avait la prospérité. Il demande la sagesse, dans la sagesse, il y avait la gloire. Il a fait une requête clé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu fasse pour toi? Dis à Dieu, je veux voir. Je ne veux pas l'argent, je veux voir. Je veux chercher l'argent moi-même. Je veux marcher. Seigneur, fais-le. Fais-le. Demandez.
et il vous sera donné. Nous avons auprès de lui cette assurance que nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose. Mon Dieu, si mon enfant, je l'ai tapé, mais je suis au bout. J'ai parlé, je suis au bout. J'ai introduit des CV, je suis au bout. J'ai touché les bâtons, mais je suis au bout. Ah, souffle. C'est une zambe content dans les Kamboyo. Dimension batoué souki. Matisse mon niveau na yo. La dimension des hommes est finie. Amène-les à ta dimension. Souffle. Foula. Lorsque Dieu souffle, sa vie vient. Lorsque tu souffles dans la boue devient une âme vivante. Souffle dans ma vie. Souffle dans mon mariage. Souffle dans ma santé. Mais presque nous sauter kotoyo. Problème n'angaza kotoyo. Problème n'angaza kotoyo. Problème n'angaza kotoyo. Yesu, il faut orienter la puissance de Dieu vers ton besoin. Quand tu touches Jésus, tu te connectes à lui. Quand on se connecte à l'électricité, mais l'appareil que tu connectes détermine ce que tu vois. Nazan a besoin d'un mouinda, mais n'a pas Yesu. Nazan a besoin d'un moto, mais n'a pas Yesu. J'ai besoin du feu, mais je veux ce Dieu. Mais la vie de Dieu s'est frappée. Il y a des situations dans la vie, tu demandes, tu ne reçois pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais tu dois frapper. Frapper, c'est difficile parce que quand tu frappes, ça fait mal. Tu dois endurer la douleur. Comme Anne, lorsqu'elle est allée vers Élie. Pénine a se moqué d'elle, c'était une douleur. Même l'homme de Dieu a commencé à se moquer d'elle. Mais dans sa douleur, elle a continué. Jusqu'à ce que tu vas à genoux, ça fait mal, mais tu dis Seigneur. Malobéza, il soutient mes positions dans le bas. Je ne peux pas parler que ma position s'exprime. Malobéza, tu es mon baloukara, oh baluka. Tu manques de moi, mais tu as pas tout besoin de comprendre. Tu es mon zamba, il a engagé ton baluka. Je ne comprends pas, mais que Dieu comprend. Ma prière à l'iboma, aucun zamba comprenne. Ce sont des prières de la folie que Dieu comprenne. Je me souviens un jour. Ma mère va dans une église. Le pasteur dit, toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, passez devant, je vais prier pour vous. Ma mère passe devant. Babi, maman Zuliboma. Nous connaissons tes enfants. Et puis il y en a âge, tu n'as même pas honte. Mais en fait, quand elle est allée devant, elle était allée pour sa fille. Ma petite soeur Fifi. Elle est allée devant. On a vu une grand-mère. Mais elle était debout pour sa fille. Elle a même offert quelque chose à Dieu. Parce que ce qui est parent, ça passe. Être parent est difficile. On est ma challenge ici, l'a raté. Yo vina yo ebongi souci comme isko ya bana. Yo bota, si ko bana so ba bota tes problèmes. Toi tu as mis au monde. Ce qui va bala tes problèmes. Si nous sommes mariés, c'est un problème. Alléluia, place au sou qui m'aime lango Yesu. Là où tu vas au bout, elle est venue, elle est venue. Dieu lui a parlé que l'enfant qui va naître, ça sera une fille. Elle est partie acheter un habit de fille. Elle a gardé. Quelque temps plus tard, ma petite soeur accouche. Après 9 ans de mariage. Ça, c'est mon beau-frère qui me raconte. Maman vient voir l'enfant. Comme cette femme qui était au temple. Quand on avait amené Jésus, elle sort un habit. Un habit déjà usé, mais un habit de fille. Elle dit, Dieu m'avait dit que votre premier enfant serait une fille. Et puis elle achète un symbole prophétique. Mon beau-frère, quand il voit l'habit de fille, commence à pleurer. L'enfant va croire que c'est à cause de ses efforts qu'elle a été visitée. Mais l'enfant ne sait pas qu'il y a une maman quelque part. Qui a frappé? Et qui a dit, Zambé, souffle. Alors, mais qui est de Dieu, fou là. Lorsque tu demandes, le Saint-Esprit va te donner. Quand on consigne à mon nom, on s'en t'occupe, ça y est. Souffle.
souffle. Et dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez transformé. Quand l'Esprit de Dieu souffle, il ne vient pas seulement te donner, il te fait devenir. Il ne te donne pas seulement une solution pour toi, mais fait de toi une solution pour les autres. Il ne veut pas seulement te visiter. Il veut établir la source de visitation en toi. Je suis allé dans une église. Visiter Bisso, Tina Molimo, Baba Tem dans les Saint-Esprit, puis Tinda. Il priait, Dieu visite nous en voie. N'est-ce pas moi, bon, priez bien. Vous ne priez pas bien. Ce que vous cherchez n'est pas au ciel. Vous pouvez inviter seulement un homme de Dieu qui opère dans les domaines. Il va libérer cette dimension dans laquelle il opère déjà. Récemment, il y a un couple qui vient me voir. Qui servent Dieu ailleurs. Mais Dieu leur a convaincu de venir me voir par rapport à leurs besoins. Ils disent, nous on sert Dieu. Notre pasteur aussi c'est un homme de feu. Mais ils ont surmonté tout ça. Parce que les dons spirituels sont pour le corps. Chacun d'entre nous a une particularité. Alléluia. Ils viennent, ils parlent. À la fin, je dis, mettez-vous à genoux. Je commence à prier, la puissance de Dieu commence à opérer dans leur vie et tout le reste. Pour eux, c'était nouveau, mais pour moi, ce n'est pas nouveau. Je vois ces choses depuis longtemps. Ils sont venus dans la maison de Dieu où cette dimension opère déjà. Quand les gens te rencontrent, quelle dimension de Dieu ils rencontrent? Chrétien, ne sois pas qu'un commandeur. Lorsque tu as, que fais-tu avec? J'aime l'histoire de Dorcas. Dorcas meurt. Dorcas a couffi. Il ne prie pas Dieu. Ses amis n'ont pas prié en sa faveur. Ils sont allés chercher qui? Pierre. Pételo. Et Pierre, il y a Ranan. Viens d'abord. Moutaza a couffa. Il y a une personne qui est morte. Parce que Koloka, Nzambe connexion mais ça a compliqué, mais pas Moutaza plus facile. Oui, Pierre. Ils ont dit Dorcas a couffi. Dorcas ne plus vient. Pierre aille. Pierre, voilà Pierre qui se présente. Ezali ebembe, eza maladie ebembe. Mais Pierre a zoya. Ce n'est pas une maladie, parce que dimension oyo opera na kati obanga makamwanati. Parce que dans la dimension tu ne peux pas avoir peur de ces choses. Aïe. Bande sa Pierre. Et puis Dorcas c'est moi dans ma lame. Bah intercéder pas Pierre et pas Nzambe. Dorcas c'est une bonne fille. Pierre ça la Pierre table en nos là. Regardez ce qu'elle faisait. Montez ma Pierre comme il touchait. Le cœur de Pierre a été touché. Laissez-moi avec Batikali. Elle. Pierre a bondeli Nzambe Nzamba sekou ici. Mais de là Pierre a prié et Dieu. Mais quand ils sont allés vers Pierre, ils étaient sûrs que si Pierre prie, il y aura résurrection. Pierre n'est pas plus grand que toi. Il a reçu le même Saint-Esprit que toi. La même capacité que toi. Les mêmes promesses que toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit que tu as reçu? L'église est comme des bébés en train de demander plus, 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 plus. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as déjà reçu? Je suis venu en vain quelqu'un se réveiller à se fâcher. L'Esprit de Dieu te transforme en un témoin de Jésus. Vous savez, quand je regarde l'église aujourd'hui, je me demande si c'est le même Saint-Esprit qu'on a reçu avec les apôtres. Saint-Esprit. Mais pour le mariage, tu abandonnes Jésus. Pour l'enfant, tu abandonnes Jésus. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit qu'on a reçu? Oui, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Il te
te change en une autre personne. L'une des choses qui prouvait que Jésus était ressuscité, c'est le fait que les disciples étaient prêts à mourir pour Jésus. L'église allait, l'hôtel allait au commis. Et regardez l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Moi je dis Saint-Esprit, une nouvelle dimension de toi pour faire de moi quelqu'un de différent. Je vais être comme Saül, que l'esprit de l'Éternel me saisisse et me change en une autre personne. Que l'esprit de l'Éternel me saisisse et me change en une autre personne. Que les gens se rendent compte qu'il y a une rencontre que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Que les gens se rendent compte que quelque chose s'est passé. Toute expérience dans le secret avec le Saint-Esprit va produire un changement dans le physique. Et plus tu le vois, plus tu le rencontres, plus tu es transformé en l'image de Jésus. Un homme qui est visité par l'Esprit de Dieu souvent ressemble davantage à Jésus. Il manifeste de plus en plus Jésus. Il parle de plus en plus comme Jésus. De gloire en gloire. 2 Corinthiens 3 dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur il y a la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes tous transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ces jours-ci, il y a une chanson qui dit, je veux être comme Jésus. Je dis, Saint-Esprit, change-moi encore. Je ne peux pas le faire seul. Transforme-moi. Une nouvelle dimension. Une nouvelle métamorphose. Je le demande. Le Saint-Esprit te donne aussi la puissance. La capacité surnaturelle de faire les choses que Dieu te donne. La capacité surnaturelle. Dans Actes 4, 28, je prends 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a une puissance de Dieu qui ne se manifeste que lorsque tu demandes que l'Esprit de Dieu souffle pour les saluts des âmes. Je me répète. Ba dimension misusu ya molimo okomona ngo kaka soki souci no eza nzambe vitite nga po batu ba bika libanda. Il y a certaines dimensions spirituelles, tu les vivras seulement en condition que tu les fasses pour le salut des âmes. Mais vous allez voir que si on prie pour le salut des âmes, on va prier longtemps. Mais quand on prie pour nos besoins, on prie longtemps. Ce qui fait que la plus grande provision de l'Esprit, on ne la manifeste pas. Parce qu'elle n'opère que lorsque tu ne penses qu'au salut des âmes. Nous recevons une puissance et vous serez mes témoins. Vous allez sauver le monde. Alléluia. Je prie que le feu du Saint-Esprit revienne dans les cœurs. Que quand tu es avec un païen, il faut regretter pour côté à Ekaka. J'avais un ami qu'on appelait frère Bakanja. Lui, quand il te rencontre, il va te prêcher. On le persécutait, mais il prêchait. J'avais encore un autre ami, quand il me voyait, il me prêchait. Quand je me suis converti, il ne savait pas que j'étais converti. Quand il m'a vu, il a commencé à me prêcher. Choisis une autre cible. L'église a perdu les ailes de l'évangile. Voilà pourquoi nous n'expérimentons pas de grands miracles. Les grands miracles ne sont pas parce que l'église existe, mais c'est à l'extérieur. Que je me répète. Les grands
Le miracle que vous observez ici est moindre par rapport à ce que lorsque vous prêchez. Je prie qu'il y ait un feu dans ton cœur comme dans le cœur de Jérémie. Il dit quand je me décide de me taire, je sens un feu en moi. Je sens un feu en moi. Il faut que je parle pour que je sois à l'aise. Je prie que tu rêves des gens perdus. Que tu entends le bruit des captifs. Et que tu ailles leur parler de Jésus. Rimama, tu veux voir une grande dimension de l'esprit. Te aliloba. Prêche la parole. Ton voisin na yo. Demande à ton voisin. Dernière fois te akimutuli lobezaka. Quelle a été la dernière fois où tu as prêché Jésus? Na ba Saint-Esprit belo zuna na séminaire au sein langonine. Avec tout ce que tu as reçu pendant ce moment du Saint-Esprit, qu'as-tu fait avec? Dala kota langa te tala voisin na. Ne me regarde pas, regarde celui qui est à tes côtés. T'as la voisine, hein? Quand un homme est embrasé par ce feu, quand tu parles aux gens, ils sentent le feu. Quand Jésus prêchait aux disciples d'Emmaüs, ils disent qu'il nous parlait, on sentait un feu en nous. On sentait un feu en nous. Un homme enflammé va enflammer le monde. Écoute ceci. On ne reçoit pas le feu pour rester dans la chambre haute. On ne reçoit pas le feu pour commencer à prier seulement en langue. Mais on reçoit le feu pour aller dehors annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Et plus tu annonces, plus le feu augmente. Il va t'équiper. Te rendre capable. Afin d'accomplir la mission. Écoutez ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marc 16:17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. T'as la voisin là. Regarde ton voisin. Au seul bien la démon. As-tu déjà chassé un démon? Chasser les démons, c'est le niveau le plus bas de la puissance pour les enfants de Dieu. Parce qu'on combat un ennemi qui a déjà été vaincu. Toi, tu ne chasses, on ne chasse que les démons en tout. Et quand est-ce que toi, tu chasseras les démons? L'onction prise de joug. Quand on dit l'onction brise de joug, ça veut dire quoi? Vous voyez, les bœufs, on les mettait des jougs sur le cou. Afin de les contrôler. Mais quand Ngombe a commis un colo, Kingone Mounene Pona, à cause de la graisse. Et cette graisse brise le joug. Ça veut dire quoi? Ce Nguyana est collé, bâtiment, mais ce n'est pas qu'on ne sent pas. Lorsque ta puissance monte, il y a des démons qui cola, vont cola, 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 cola. Grandis. Il y a un ouvrier à l'église qui venait vers moi. Il dit, pasteur, chasse-moi encore les démons. J'ai dit non. J'ai dit, je ne prie plus pour toi. J'ai dit, toi-même chasse-les. Grandis. Alors quand il y avait une atmosphère forte comme ça, il y a mon corps qui n'a quoi naïe. Et le voilà seul à son coin. Azu ma papier mouchoir. Il prend le papier mouchoir. La cantine. Et le seau. Monte sur le bimandou sans ça. Il y a mon corps, il y a mon corps. Seul. Avec le seau, il faut. Il faut. La bio cola. Je dis, tu grandiras. Parce que si la puissance intérieure grandit à la dimension de tes attaques, par sacano lui sauter. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il faut te coller sa héritier. Akola, akola, akola. Pour comprendre l'héritier, akoli. Moi, on s'accanez à l'issoute. Il faut que l'héritier grandisse. La graisse brise de jour. C'est l'onction yayomoko. La foute bouka kakanga. Sinon, tu vas dépendre du pasteur. Pipo ma, pipo ma, pipo ma. Il y a onction yayomoko.
Et pas Nzambe aux appels à Katina. Où a-t-il reçu son onction auprès de Dieu? Nzambe a passé à appeler Nzambe na yo. Le Dieu du pasteur. Saint-Esprit a passé à appeler Saint-Esprit na yo. Le Saint-Esprit du pasteur est aussi ton Dieu. Mais c'est la foi qui active la puissance. Kasi ezali lisu qu'on demandait tchara na mosala. Au comité malelo. Tu peux continuer la personne des choses à Katina. Tu peux croire également au Saint-Esprit en toi. Ils parleront de nouvelles langues. Wane bolinga. Makolo babalopoto asika c'est que vous aimez. Ah gai. Oui, bien, ça sera facile que bengana démon so ozo mona été. C'est facile de chasser le démon alors qu'il n'est pas visible. Moi pas parce que nous connaissons tous les belles. Non, non, sors. Et keba, on a démon et bandit. Chasser ce qu'on a bien. Il faut maintenant chasser un bon démon. Je vais vous donner un témoignage. J'étais un prédicateur déjà. Un jour, je vais dans une veillée et je commence à prêcher. J'ai prêché sur la foi. Et puis, je dis aux gens, étends ta main. Saisis la puissance de Dieu. Reçois ton exaucement. Reçois. Par la foi, tu as reçu. Amen. Amen. Je reprends ma place. Ah, je finis ma sous onction en Ezaguana. Mon onction s'est limitée. Et là. Puis un de mes amis vient. Luison. Il m'a dit. Toi, tu t'es limité, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. N'est-ce pas? Je ne peux pas empêcher de faire. Est-ce que la pose un micro? Est-ce que je peux encore prendre le micro? C'était le même Dieu qui était là. Mais pas les mêmes serviteurs de Dieu. Parce que lui, quand il a pris le micro, il a amené sa dimension sur la chair. Il a déclaré. On a donné à l'orateur. Nabandi, sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Bima. Plus non, ça, mais la plus mon temps aura calme. Calme. Azoune, calme. Plus j'envoie la prière, plus que la personne se calme. Mon ami vient vers moi et me dit, eh pas ça. Mon ingaïa, le binangaï. Gouya. Puissance. En fait, demande au canon et l'autre côté. Eh non, ben, on est dans caressé. Ah, gentil, hein. Gentil, le démon ne sentait gentil, rien, c'est comme si je le caressais. Gentil. Il y avait une différence entre ce que la Bible disait et mon expérience. Dans la bouche de certaines personnes, la parole de Dieu devient faible. Le nom de Jésus a l'air d'être faible. Pourquoi? Il y a un écart entre ce que tu es dans le secret et ce que tu déclares. Tu es impudique, mais quand tu as un démon impudique, tu as coupé la gifle. Toi, tu es impudique. Démon zolong, d'ailleurs, moi, ben, ils ont raté. Nazongandaku, na ipsi grand frère. Je rentre à la maison, je dis à ma grande sœur. Grand frère. Grand frère. Abi, pasteur. Bon, pasteur. Nga a open la hôte ya men mbuye za te. Je suis là, je suis en train de prêcher mais sans puissance. Ipsi nga. Et il me dit parce que l'église amoko mona wizaki flaming fire. Poye église ané da ki flaming fire. La soif. Abi pour cherche Dieu. Lukan Zambe. Cherche Dieu. Lukan Zambe. Beta. Frappe. Beta. Cherche. Luka. Frappe. Et puis après j'ai commencé à voir cette puissance commencer à opérer. Frère, ce n'est pas parce que tu es faible aujourd'hui que tu seras faible toujours. Cherche Dieu. Lukan Zambe. Cherche Dieu. La puissance promise sera manifestée. Ils saisiront les serpents. Si boivent quelqu'un breuvage mortel, Congo Bobanga a poison ma casier. On est versé ça l'a raté. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Imposer les mains, ça veut dire quoi? Impose les mains à ton voisin. Impose à ton voisin. C'est tout. Est-ce que tu vas prier? Tu vas prier, tu vas imposer les mains. On ne t'a pas demandé de prier, mais d'imposer tout ça. Ils feront quoi? Je me répète. Donc lui, il est malade. Nabi 4 est-ce que Malobeza pasteur? C'est pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tombe là, ma bokona. Lève tes mains. Yebsanzamba partir à l'élo.
Dis à Jésus, à partir d'aujourd'hui, ces mains ne sont plus du péché. Parce que la puissance y est. Je dois séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Afin d'être un instrument des mains de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Lorsqu'on dit voici les miracles, dans d'autres versions, on dit voici les signes. Quand on dit signe, ça veut dire quoi? C'est comme des empreintes. On éléphants à la marche d'un éléphant. Que c'est éléphant, bah trace. Nous saurons que c'est un éléphant par ses empreintes. Si c'est un serpent, nous le saurons. Les choses qui montrent ton identité, ce sont ces choses. Un jour, Jean-Baptiste envoie des gens vers Jésus. Il dit, Alobi, es-tu celui que nous étions en train d'attendre yo, ou bien nous devons attendre un autre? C'est toi ou c'est une autre personne? Yesu Aloba, qui est le côté? Jésus n'a rien répondu. Il a pris des boiteux, il a pris des aveugles, il a pris des sourds, il a guéri. Ça, ce sont les preuves que c'est moi. Ce sont les preuves que c'est moi. Ce sont les preuves que c'est moi. Quelles sont les preuves que tu es l'église de Jésus? Un jour, Osborne va en Inde, il prêche Jésus. Les Indiens lui disent, qu'est-ce qui nous prouve que ta Bible c'est la parole de Dieu? Nous on a le Coran. À part qu'on l'obéisse, l'homme sous-souté. À part de parler, tu n'as pas d'autre. Dis à ton voisin, l'Évangile n'entre pas seulement par les oreilles, entre aussi par la vue. Je me répète. L'évangile n'entre pas seulement aux oreilles, mais également aux yeux. Nzamba solo. Il est vrai ici. Aux États-Unis. Il est rentré aux États-Unis. Il a rencontré un homme de Dieu qui opérait dans la puissance. Il est allé chercher Dieu, ami Kangeli. Il s'est enfermé. Ce que tu lui as donné dans le. Comment la route à l'évangile signe et miracle et comment pourrais-je encore prêcher sans des signes et miracles? Dieu l'a visité. Il a commencé à se balader avec des preuves de la résurrection de Jésus. Je te demande. Est-ce église ou bien il faut aussi assurer l'église? Es-tu toi l'église ou devons-nous encore attendre une autre église? Les gens, Jésus a dit. Ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites feront de plus grandes. C'est toi ou c'est ton voisin? Est-ce toi ou ton voisin? Ma promesse est au pôle, la porte est au loukayangote et sous mon nana. Les prophètes pourris Nous sommes libres. Parce que tu es un don pour ce malade, mais tu n'opères pas dans ta dimension. Dieu a répondu à ce malade en t'envoyant sur la terre. Le paralytique était à la porte du temple. Jésus n'a pas guéri. Mais il a dit ça, je laisse sa pierre. Pète-le. Pierre arrive là. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Tu n'as pas besoin d'argent pour opérer dans les miracles. Le Saint-Esprit est suffisant. Est-ce toi église ou une autre personne? J'ai une chanson, je l'ai toujours intitulée une chanson en deuil de Jésus. Matanga Yesu, ba yimba na matanga Yesu. Ça a été entonné lors du deuil de Jésus. Na français pendant les alloga matanga. Ba yimba ngo boye. Jésus. Ça dit matanga. Jésus. Ba Yesu kufi Jésus. On est à Ozaki, na maladie moko boy. Moi habik ce zate, au teki bloko nyoso. Là tu es malade, tu as tout vendu, tu as voyagé. OK, Jérusalem, mais c'est la monnaie Yesu. Ah, habik.
Mais je comme la Jérusalem, et tu es venu à Jérusalem, tu vois Jésus à la croix, Jésus. Et te voilà pleurer. Jésus. Est-ce que j'aime? Il y a des gens qui ont fait cette prière, qui ont pleuré. Mais les apôtres pouvaient leur dire, arrêtez de pleurer. Jésus n'est pas seulement au ciel, mais par le Saint-Esprit, il vit en nous. Et nous opérons dans une dimension plus grande. Oh, Pierre, c'est vrai? Oui. Alors quand Pierre se baladait, Pierre se met à ma solo, à Baninganae. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu deviens un avec Dieu, ton ombre devient son ombre. Ta main devient sa main. Ta bouche devient sa bouche. On dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. On prend un mouchoir. Ça touche Paul. Sans prière. Tu prends les mouchoirs, tu mets sur un démoniaque, il part. Est-ce que on est église ou bien église? Il faut oser la mort. Est-ce toi l'église ou devons-nous encore entendre une autre église? Il suffit seulement que l'un d'entre nous perce. Les gens vont voyager du monde entier pour courir dans cette église. Imaginez ceux qui ont battu son cancer, ils sont aussi mis dans la bicaca. Imagine ceux qui ont battu son cancer. Parce que maman dit que hier ce pas n'a eu à béki saka solo. Le monde attend de l'église les signes. Il attend la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'il souffre sous la puissance de l'ennemi. Il souffre sous la puissance de la maladie. L'église oriente la puissance vers les priorités. Nous sommes distraits. La puissance chôme. Parce qu'elle peut agir que par rapport à ses buts. Alléluia. 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 Quelqu'un dit à Dieu, je veux une autre dimension de toi. Comme moi j'étais prédicateur, mais je disais à Dieu, emmène-moi dans une nouvelle dimension de toi. Les démons me résistent à une autre dimension. Zambé malade, on est au la famille, mais maman la dimension. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Je veux aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Que ton feu descende ce soir. Embrasse-moi, Seigneur. Embrasse-moi. Que les signes se manifestent. Que je ne parle pas trop, mais que je fasse beaucoup. Embrasse-moi. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Je suis un don pour ce monde. Il vit en moi. Il vit en moi. Permets à Jésus de se manifester. Cherche-le. Nous allons prendre n'importe quelle position. Nous allons commencer à prier maintenant. Que ce lieu soit transformé en chambre haute. Quelqu'un dit à Dieu, emmène-moi dans une autre dimension. Que les dons spirituels opèrent dans une autre dimension. Je veux voir ta gloire. Je veux manifester Jésus. Comme jamais. Commence à prier. Prends la position qu'il faut. Elia, 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 Rekare Baba Sheke. Rekare Baba Sheke. Ere Baba, Ere Baba Yende. Self-service. Self-service. Prends la position que tu sens. Prends la position que tu sens. Ce soir, il y aura un vent. Il y aura un vent, Seigneur. Ce vent vient sur toi. Cherche-le. Cherche-le.
Souffle. Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, matanga esi la, que les deuils prennent fin. Ce soir, il y a une grâce particulière en toi. Cherche, pousse. Luca, pousse. Pousse. Matisse Alissou. Pousse. Matisse Abokasi. Elia. Elia, 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 Baba Sheke, di mama yenze kere Baba. Eri Baba Sheke. Eri Baba Sheke. Ri Mama Sheke. Re Baba Sheke. Ri Mama Yente. Kere Baba Sheke. Ri Mama Sheke. Ri Baba Yente. Kere Baba Sheke. Dis à Dieu ce soir. Dis-lui ce soir. 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 Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que Baba de sang. Baba Sheke, Baba Sheke, Elia, 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 de Dieu en cellule. Il va commencer à traverser les rangées. C'est une nouvelle dimension que le Seigneur accorde. Là où il voit que la soif est là, l'Esprit de Dieu va commencer à descendre. Il va commencer à toucher. Ça a commencé. Ça a commencé. Tu reçois. Reçois cette nouvelle dimension. C'est maintenant. De gloire en gloire. De gloire en gloire.
Seulement le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit. C'est en train de monter. Connecte-toi au Seigneur. Oriente sa puissance là où tu as un besoin. Nous allons tous nous lever. Nous avons les yeux fermés. Juste les mains levées. Lève juste les mains. Le Seigneur m'a dit qu'il va communiquer des dons ce soir. Il y a des gens, les yeux vont s'ouvrir. Ils vont accéder à une nouvelle dimension. Que ceux qui sont dehors aussi se lèvent. Nous avons les mains levées. Nous avons les mains levées. Nous avons les mains levées. Il y a un vent de l'esprit qui va commencer à souffler. Ça a déjà commencé. C'est en train de commencer. Esprit de Dieu, souffle maintenant sur ce peuple. Maintenant, qu'une nouvelle dimension leur soit accordée. C'est maintenant. Le Seigneur est en train de travailler. Il localise là où tu as besoin. Et il est en train de te toucher. C'est maintenant. Souffle en ces lieux. Esprit de Dieu. Il est en train de souffler dans la salle. Il souffle. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Continue à monter. C'est Dieu qui va te visiter. Il est en train de le faire. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que sa main te saisisse. Il te saisit. C'est maintenant. Son esprit est là. Sa main, juste l'instrument.
Ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Reçois cela. C'est maintenant que tu reçois. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce maintenant. Maintenant. Que le ciel se déchire. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Et sa main me touche. Laisse-le travailler en toi. Dis-lui une nouvelle dimension. Et puis me la sika. Une nouvelle dimension. Et puis me la sika. Que des signes m'accompagnent. Que des prodiges m'accompagnent. Partout où je vais. Je reçois cela. Au nom de Jésus. On a les mains levées. On a les mains levées. Lève juste les mains. Il y a une onction qui va descendre. Lorsqu'elle va saisir certains, ça sera comme un feu qui te saisit. Tu ne pourras pas contenir cela. Le Seigneur t'a introduit dans une nouvelle dimension. Dans la puissance. C'est lui qui va te localiser. Je veux compter de 1 jusqu'à 3. Quel que soit l'endroit où tu es, la main de Dieu va commencer à te saisir. Ça sera comme un feu. Ça a déjà commencé. Ça commence. Je dis au nom de Jésus. Je dis 1. Je dis 2. Reka, rimama sheke, de baba sheke, rimama sheke, de baba sheke, rimama sheke, de baba sheke. Je dis 3, tu reçois cela, reçois cette onction. Il y a des gens qui sont en train de recevoir une grâce prophétique dans leur vie. Je vois des gens qui reçoivent une grâce prophétique. Le Seigneur va te permettre d'opérer. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Reçois cette grâce. Seigneur, que cette onction les localise. Les localise et les présente maintenant. Tu reçois. Je vois des jeunes assoiffés qui sont en train de boire au torrent. Je vois des jeunes assoiffés qui sont en train d'être visités par Dieu. Je vois des jeunes assoiffés. Je vois des sœurs et des frères. C'est maintenant. Hey, Riba. La chorale, levez les mains. Je vais prier pour la chorale.
La chorale. La chorale. Seigneur, tu m'as montré que tu faisais quelque chose de particulier dans cette chorale. Maintenant que ta main commence à les saisir, tu les saisis d'une manière particulière. Ah, qu'ils aient une grâce particulière. Qu'ils soient comme cette armée. Comme cette armée. Lorsque la chorale va devant, la puissance de délivrance commence à opérer. Allez, recevez cette grâce. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez. Ton esprit est là. Ma soeur, reçois cette grâce. Maintenant, reçois cette grâce. Tu ne seras plus jamais comme avant. Allez, reçois, 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 reçois cette grâce. Maintenant, 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 tu reçois, reçois cette grâce. Reçois, 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 reçois. Reçois. Receive it in Jesus' name. Reçois. Reçois cette grâce. Reçois. 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 Reçois maintenant. 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 Fire. 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 Moto. 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 Receive it. Yamba. Receive it now. Que ce feu descende sur toi. Maintenant, reçois, 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 reçois. C'est maintenant. Maintenant. Come, 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 come. Come. Hey, Débab. Donne-moi ta main. Que la main de Dieu te saisisse. Que sa puissance envahisse ta main. Maintenant. Maintenant. Que ta vie ne soit plus jamais comme avant. Que l'onction de Dieu brise le joug dans ta vie. C'est maintenant, 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 maintenant. Reçois cela. Reçois. N'aie pas peur. Sa main est en train de te saisir. Maintenant. Reçois cela. Une nouvelle dimension. C'est maintenant. Receive it. Reçois cela. Au nom de Jésus. Fire. Power. Receive it. Jesus name. N'aie pas peur. Il est en train de travailler dans ta vie. Cette onction est en train d'opérer dans ta vie. Il y a une œuvre profonde qui fait en toi. Là où ta vie a besoin d'être touchée. Le Seigneur te saisit maintenant. Maintenant. Receive that anointing now. 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 Receive. 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 Tu n'as pas besoin de forcer. Dans ce calme, le Seigneur est en train de travailler. Oh. Dans ce calme, il travaille. Dis à Dieu, je suis de ce côté-ci. Localise-moi. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Visite-moi. Visite-moi. Localise-moi. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Oh, ta main me touche. Avant de céder le micro, je veux prier pour une catégorie de personnes. Tu es marié, mais tu as du mal à concevoir. Viens devant, je veux prier avec toi.
Nous t'attendons. Tu es marié. Mais tu as du mal à concevoir. L'esprit qui a couvert Marie pour qu'elle conçoive Jésus, il va aussi te couvrir. Que tes yeux soient sur Dieu. Si tu es appelé devant, c'est qu'il y a une provision pour cela. S'il y a des gens en couple qui se tiennent, hein? Ceux qui sont à l'extérieur peuvent avancer devant l'écran. Pasteur Michel, sois dehors. On va prier. L'église peut prier. Il n'y a pas de spectateur. Le même Saint-Esprit que j'ai, tu l'as. Jésus. Mets ta main au niveau de ton ventre. Mets une main. Tu me donnes une main et l'autre tu mets. Maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui bloque ce bas-ventre, je le maudis maintenant, 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 maintenant. Reçois ta guérison, reçois, 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 reçois cette guérison. Maintenant, au nom de Jésus, tu reçois. L'Esprit de Dieu te couvre. Il touche ton couple, il touche ton foyer. Que ce qui était bloqué soit débloqué maintenant, maintenant. Maintenant, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu reçois cela, reçois cela, reçois cela. C'est maintenant, 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 maintenant. Receive it. Receive. Now. Now, receive it. Jesus' name. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Sa main te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Tu reçois. Reçois. Reçois cela. Reçois maintenant. Esprit de stérilité. Au nom de Jésus, libère sa vie. Libère les vies des gens qui sont en ces lieux. Libère maintenant. Libère. 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 Libère, libère les vies, maintenant, 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 maintenant. As a point of contact to you, I touch the other. Receive it now. Receive now. Tu libères toutes les vies des personnes qui sont en ces lieux. Maintenant, 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 maintenant. Libère, libère, libère. Libère sa vie. Maintenant. 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 Libère sa vie. Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. C'est maintenant. C'est maintenant. 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 L'Esprit de Dieu te couvre. Et il te donne, reçois cet enfant. Maintenant, 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 maintenant. Esprit de stérilité, libère cette vie. Libère, libère. Reçois la fécondité. Reçois, reçois, reçois la fécondité. Reçois. Et bah, bah, stérilité, libère cette vie. C'est maintenant, 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 maintenant. Reçois, reçois ta guérison. Reçois, 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 au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fais le bien, acclame Jésus. Amen.
Que Dieu soit béni, nous allons nous rasseoir. Je vais avoir le communiqué pour les lire rapidement, permettez-moi. On va y aller rapidement. Nous voulons te faire participer à cette bénédiction. Lundi, la servante de Dieu, Joël Kabasele, a distribué les enveloppes. Je tiens à ce que tu participes à cette bénédiction.